Kimia yampolo Yesu Kristo ezana moko na moko. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Amen. Kolo Yesu Kristo pambola mingi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Zala na esengo makasi place koye na ndako nzambe. Sois dans la joie quand tu es dans la présence de Dieu. Et surtout ceux qui venez à ndako nzambe ya solo. Et surtout si vraiment c'est réellement la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, vous allez trouver le pain véritable. Parce que dans la maison de Dieu, ce qu'on trouve, c'est du pain véritable. Donc, la bonne connaissance. C'est-à-dire la bonne connaissance. Et cette connaissance est délivrée. Cette connaissance délivre. Et par la grâce de Dieu, le 22 septembre 2021. Le 23 septembre 2021. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes le 23 septembre 2021. Et nous allons très reconnaissant parce que nous sommes infiniment reconnaissants car c'est le Seigneur qui nous a donné cette journée. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est par grâce. C'est par la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. Si tu respires, c'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Parce que ma projet est belé, ma bongisa qui contre yo. Parce que de nombreux projets qui ont été projetés contre toi. Ma projet à ma belle. Des mauvais projets. Échoué non pas pour yosa ma casse à combattre en moi. Cela ont échoué non pas parce que tu es capable de les combattre, mais à cause de l'amour de Dieu. Mais c'est à cause de l'amour de Dieu. Bolingwa zabe. De l'amour de Dieu. Ne salike obimi molongi. Voilà pourquoi nous rendons des actions de grâce et même toute la gloire. Et nous croyons infiniment en lui que c'est lui qui soutient les guerres de l'Éternel. C'est lui qui nous aide dans tous les combats qui trouvent. Le véritable David. C'est lui le véritable David. Comme Amin à Hébreu, il vient en aide à la postérité d'Abraham. Amen. Il est écrit qu'il vient en aide à la postérité d'Abraham. Si tu as la foi, donc tu es fils, fille d'Abraham. Il faut aya kosungayo. Alors, obligatoirement, il viendra te soutenir. C'est ça notre joie. Parce que nous avons un Dieu qui a vaincu la mort. C'est ça notre joie même. La mort est consciente qu'elle a été vaincue par notre Dieu. Quand le Seigneur commencera à redemander les gens qui étaient morts pour être ressuscités, la mort ne pourra jamais lui résister. Parce qu'il a la victoire sur la mort. C'est pourquoi il faut se réjouir. Amen. Voilà pourquoi tu dois te réjouir. Sache que même si tu as un problème qui n'atteint pas vraiment son bout, cela réussira toujours. Cela va s'accomplir à temps seulement. Tu ne donnes pas naissance à temps jusqu'à ce que tu vas donner naissance. Quelles que soient les conditions, tu finiras par donner naissance. Et quand tu vas commencer à donner naissance, toi-même tu auras même le temps de chercher à gérer parce que les enfants viendront avec pression. Dieu est capable de tout. C'est Dieu qui est capable de tout. Amen. Situation nion se koko zala, problème nion se koko zala, le Seigneur appellera à vos solutions. Tous les problèmes qui peuvent naître, Dieu donne toujours la solution. Nakati na yo yeba ke naza molongi po na kombo ya Yesu Christ. En toi seulement crois que tu es vainqueur à cause du nom de Christ. Omile mbisate. Il ne faut pas se décourager. Que les diables ne te découragent même pas de te tromper. Problème, nous avons la solution.
Tout problème au nom de Jésus-Christ aura des solutions. Et tant qu'on croit maintenant, comment on a au nom de Jésus. Amen. Si tu crois maintenant, tu verras cela s'accomplir au nom de Jésus. Vous voyez sur cette histoire de... Le nom de Christ n'est pas une histoire. Mais la vie. C'est plutôt la vie. Donc, ils ont bon oeil. C'est la vie comme nous le disons. Donc, et puis ça a solution. Ça donne des solutions. Ils ont longo la maladie. Ça ôte des maladies. Ils ont longo la péché. Ça ôte les péchés. Et je suis dans un qui faible comme ici est fort par la grâce de Dieu. Prends quelqu'un qui était faible et le faire fort. Il prend quelqu'un qui était pauvre vraiment et l'élève au milieu des grands. C'est lui pour qui on s'était moqué, qu'on avait abandonné. Le Seigneur l'a élevé et l'a rendu favorable et les gens ont commencé à le chercher. Il faut croire qu'on désespérait. Il faut croire, ne désespère jamais. Il n'y a aucune chose qui existe que Dieu n'a vaincu. Alors, qu'il n'a croit, tout est accompli. Amen. Il avait dit à la croix que tout est accompli. Que tout est accompli. Il n'y a aucune chose qui apparaîtra pour dire que non, Jésus ne l'avait pas vaincu à la croix. Aucune chose n'existe. Tout a été vaincu. Sois rassuré en toi. Que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. Aza puissant, aza réponse. Il est puissant, il est même la réponse. De tous nos questionnements. C'est lui qui est notre Père. Et en gros, toujours des actions de grâce. Voilà pourquoi nous lui rendons toujours des actions de grâce. Nous lui rendons des actions de grâce. Parce qu'il les mérite. Il fait des grandes choses. Lorsqu'Israël voyait comment Dieu les délivrait de la captivité, lorsque Dieu les délivrait de la captivité, il n'avait jamais dit que chacun prendra son chemin. Toi, à ton coin, prends seulement des raccourcis, arrive à Canaan. Toi, si tu es à Gozen, prends aussi ton raccourci et arrive à Canaan. Chacun, vous qui êtes à l'est, vous tous prenez vos chemins de raccourci et arrivez à Cana. Le Seigneur a fait ce qui ordre. Dieu avait donné un ordre. Alors, Bible nous a beaucoup rassemblés d'abord à Ramsès. Amen. Il avait dit que vous tous vous rassemblerez à Ramsès. Et tous n'avaient jamais peur. Que l'ennemi a ouvert la porte d'Égypte. Que l'ennemi va les attraper une fois qu'ils sont encore en Égypte. Ils ne première sont jamais. Étape, il y a départ, ils ont rencontré dans Ramsès. Le premier départ d'Israël, c'était la rencontre à Ramsès. D'abord, ils s'étaient rassemblés. C'est ce que Tolomé l'a dit sur le huitième jour, on a fait un tabernacle, le temps que c'est dit sept jours. Huitième jour, d'abord rassemblement. C'est ce que nous avions parlé lorsque nous parlions sur le tabernacle. Nous avions parlé que après le septième jour, le huitième jour, il y a d'abord les rassemblements. Le Seigneur a consommé, ça n'a nos ses élus ensemble. Amen. Le Seigneur va d'abord réunir ses élus ensemble. Et puis, amen, maman, sur des chars dénués. Puis, il les transportera sur des chars qui sont dénués. Lui-même sait de la manière dont il nous rassemblera. Parce qu'il va dire, ensemble, nous serons enlevés sur des nuées. Et ça, pas un baptême intentionné, quatre, le dit ensemble. Ce n'est pas pour rien que 1 Thessaloniciens 4 parle de nous serons réunis ensemble sous des nuées. Et ça, l'olenge Ramsès et Salema qui d'abord ensemble après voyage. C'est de la manière dont d'abord, avant le voyage, il y avait des rassemblements à Ramsès. Donc le Seigneur a consacré sa baéli naïe awa na mabele après à Kenava. Donc le Seigneur réunira ses élus sur la terre et partira avec. C'est le mouvement dont lui-même fera Dieu lui-même. Dieu bénisse. Amen.
Il faut croire avec le Seigneur que tout est possible. Il faut que nous croyions qu'avec le Seigneur, tout est possible. Et tout à l'heure, c'est que quand Israël a zoubima, ata et umelaka, même kolo yomo et tumba maka isala qui n'a problème na bango. Parce que nous croyons que avant qu'Israël sorte, même si cela avait traîné, mais il y a toujours un jour où le soleil s'élève. Lolenge mo kona li kambo na yo. De la même manière dans ta situation. Ata omoni ke azo mekezo solution te. Kolembate, notre rédempteur est vivant. Même si tu voyais que tu as tenté plusieurs fois, tu n'as pas réussi. Ne te fatigue pas, car notre rédempteur est vivant. Akokoti sayone singo. Il t'introduira dans la joie. Le Seigneur alingaka ton bien. Dieu aime ton bien. Alingaka yango alingaka a consolé yo. Il aime problème ozana. Il aime vraiment que tu sois consolé dans ton problème. C'est ça son rôle. Amen. On trouve qu'il est le vrai médecin. Que tu trouves qu'il est le vrai médecin. Oh, ils ont résoudre nos problèmes. Qui résout tous nos problèmes. Tobé tira ina no mabongo pas au mérité na ya. Amen. Très fort pour le Seigneur parce que nous appelons à bien nos voix. Vous allez élever les dieux grâces. Sois élevé, Dieu de grâce. Sois exalté. Amen. Pour maman, nous allons. Sois exalté. Vous allez appeler à ma coquille mince. Amen. Nous devons salaka ma cambo mota ko salate. Amen. Il fait des choses. Nous banayons des coquilles sa ma cambo. Mon côté à mon côté, les mêmes en aile. La catholie aux anguilles. Amen. Aux abicamo. Amen. Aux solutions pour nous. Amen. Au Kumba Manayo, au Loki Bitumba. Amen. Au Longa Nyonson. Amen. Nyonson Zanassé na Matambe Nayo. Amen. Sous tes pieds. Aux Yamotien Assé à Matambe Nabisou. Amen. La Trinité Ecclesia Bikena Ilonga. Que sorte que l'Église vive la victoire. Sois béni Seigneur. Sanjola manayo kolu. Sois exalté Seigneur. Sala béni mon Dieu mon roi. Sois béni. Lokumu Isaiah yo. Toute gloire à toi. Yosu Isaiah yo. Tout est à toi. Osoa lokumu. Alléluia. Sois béni Abomo. Toi le Dieu de Sanjola ma. Sois béni. Yesu molo. Amen. Yolo makiniwa. Toi qui as vu la mort. Bimi na tumbo. Tu es le Dieu du tombeau. Dieu unique a pécé du sombre. Alléluia. Tu ne nous fatigues jamais, Seigneur. Dans nos chutes, Seigneur. Baba no ba ozali zambi, oza mo nege
Tu vas glorifier le Seigneur. Asa si grand. Il est très grand. Asa puissant. Il est puissant. Asa incomparable. Il est incomparable. Ozala na n'importe quelle maladie ezali kolongwa. Quelle que soit ta maladie, cela va sortir. Ozala na problème ni nesiko zali. Quel que soit ton problème là où tu es. Problème on est au fou caméra Jésus. Ce problème là va s'incliner devant le Seigneur. Ekotikayo. Va t'abandonner. Jésus n'est pas l'histoire. Oui. Jésus-Christ n'est pas une histoire seule. À sa vie. Oui. C'est une vie. À sa l'aujourd'hui. Il est l'aujourd'hui. Il change les situations. Et si là que se trouve la malédiction, il là que se trouve la mort, il l'ôte aussi. Et adresse à Dieu tes paroles. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu grâce. Seigneur Jésus-Christ. Savez que Jésus. Je crois que la maladie qui tourmentait mon frère, que ce soit celui qui nous suit en ligne ou soit celui qui est ici, que ce soit le sida, le cancer, les cancers, la COVID,
La COVID. Ezala kombo nini ya maladi. Nyonso ezali na sa kombo yes. Que ça soit n'importe quel nom de maladie qui est en dessous du nom de Christ. Yango essayé et libéré ma soeur, mon frère, au nom de Jésus. Que la sœur de libère mon frère, ma soeur, au nom de Jésus Christ. Et si qu'à découragement ezali. Que là que se trouvait le découragement. Na ordonné que zèle ya na kombo na Jésus. Ordonne que les zèles soient dans ma soeur. Et si kakolemba ezali pesa makazi. Là qui avait des faiblesses, donne la force, Seigneur. Et si kamotazala a désespéré à l'emba kinzela oyo. Que là que la personne avait désespéré, s'est fatiguée de ce chemin. La moussaye na kombo na Jésus. Réveille la personne au nom de Jésus. Oyazala qui lié par le péché. Celle qui était liée dans le péché. Dominée par le mal. Dominé par les mal, Azala déchaîné en ce moment au nom de Jésus-Christ. Que la personne soit déchaînée au nom de Jésus-Christ. Ta droite puissante agit. Que ta droite puissante agisse. Ton nom est changé. Histoire, y a frère. Que ton nom change l'histoire. Ta soeur. De ma soeur. Et si Kaba déclara qui est mon zang, y a comme à mon zui. Là qu'on avait déclaré comme ne recevant rien, mais qu'il reçoive quelque chose. Que les ténèbres qu'il avait couvertes sortent. Que ces ténèbres sortent au nom de Jésus-Christ. Que toutes les œuvres sotériques soient sans effet. Et que ton nom est à la glorifier. Amen. Stérilité qui m'a la combo na Jésus. Que la stérilité fuit au nom de Jésus. Famille on a combo na Jésus. Cette famille qui n'a pas encore reçu d'enfants, reçoit des enfants. Réunions ya molili. Tous les liens du monde éternel. Qui s'est tenu contre ces couples. Je pose dans cette prière au nom de Jésus-Christ. Là qui avait des pleurs. Essuie les larmes, Seigneur. Celui qu'on a prévu, l'opération, toi seul opère la personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Grâce na règne na ndaku na biso. Que ta grâce règne dans nos maisons. Autorité na ye talisa manza. Que ton autorité se fasse voir. Que les vies des enfants soient délivrées. Tous les envoûtements qu'on avait déposés dans les enfants soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Turbulence. Toute turbulence. Moutoumakas. Tétutesse. Nabomo inabana. Dans la vie des enfants. Vie à mondanité. Toute vie de mondanité. Elongwana kombonais. Sorte au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce du Seigneur est allée samana yango, Seigneur. La grâce du Seigneur se manifeste. La joie de Dieu remplit le cœur. Ta main puissante domine ça. Et ta main puissante domine, Seigneur. Tu contrôles la vie à mon corps, Seigneur. Que tu contrôles la vie de chacun. Sala présent dans quatre activités à mon corps. Sois présent dans l'activité de chacun de nous. Et si quand bon, vous allez qui bloquer, ça la débloquer. Là que les choses étaient bloquées, soient débloquées. Activité à mon corps, et faut pas mes années, maman. Que les activités de chacun de nous s'ouvrent et que et ça soit. Et ça, ça m'a fait, vous allez zambé, aux ongis, à Kaoa, Kabouki, Zaki. Et que cela soit ainsi que tu es le Dieu véritable qui remet ce qui était perdu. Alléluia. Remet ce qui était perdu. C'est toi le Dieu de restauration. Tout ce qui était perdu, remet cela. Ces crédits qui ont été bloqués, soit débloqués au nom de Dieu. Qu'ils vivent la joie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tombez tes liens sur Christ en beaucoup. Gloire très fort pour le Seigneur. Gloire. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons nous tenir pour la lecture. Verset 1 à 2, Kakaya, Apocalypse 6. On nous lira le verset 1 à 2, toujours d'Apocalypse, chapitre 6. Pasteur Seba, en français. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ses seaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme des voix fortes de tonnerre. J'ai regardé et voici Paris un cheval blanc.
Celui qui est monté avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Que Dieu te bénisse. Ah. Tu peux te rasseoir, que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur a béni. Et que le Seigneur te bénisse. Amen. À la grâce de Dieu. Amen. Toujours petit à petit. Nous sommes en train de marcher petit à petit. De la manière dont Dieu nous soutient. Nous voulons toujours chaque fois montrer que nous ne pouvons rien. Cela est vrai, c'est Dieu qui peut tout. Nous nous confions toujours en lui, sans lui nous ne pouvons rien faire. Et nous croyons effectivement que le Seigneur travaille dans la diversité des grâces. Ce que nous allons parler ici ne sera point le point virgule. L'essentiel est à la vérité bien établie. L'essentiel est que cela soit la vérité qui soit bien établie. Ma grâce nous soucie koloba lolenge zamba kosunga bango partout au monde. D'autres grâces en parleront comme le Seigneur les soutiendra partout dans le monde. Biso penanga mona biso tokoya na oyo nzamba pesi biso. Nous également, nous viendrons avec ce que le Seigneur nous aura donné. Ce qui est utile est que cela puisse contribuer à ce que les apôtres ont déjà posé. Donc cela ne doit pas s'opposer aux apôtres ainsi qu'aux prophètes. Parce qu'il y a un fondement, il y a l'église selon Ephésiens 2, verset 20. Car cela est comme le fondement de l'Église selon Ephésiens chapitre 2 au verset 20. Nous avons débuté déjà le verset 2e. Nous avions débuté déjà le verset 2e. Le verset 1er et le Kofokanga. Au verset 1er d'Apocalypse 6, c'est que tu dois retenir. Ils ont d'abord omoni, ils ont des l'agnonda zo fongola basso. Ce que nous voyons est que c'est l'agneau qui ouvre les seaux. Soko kutani place moko omoni frère moko kiala yebisie ke yenda zo fongola basso azan menteur. Si tu arrivais quelque part et que tu retrouvais un certain frère Kala qui te dira que c'est lui qui a ouvert les seaux, dites-lui que vous êtes menteur. Vraiment, vous êtes même escroc. Donc, l'écriture de lui, c'est l'agneau d'a fongoli. Amen. L'écriture dit que c'est l'agneau qui avait ouvert les seaux. Et pour Pesakaye, gloire pour Yende à Rachetaki, le peuple. Nous lui rendons gloire car c'est lui qui avait racheté le peuple. Yende na racha sala qui l'écriture de lui dans Matthieu 27 rido temple fongwa mais qui peut fongola chemin ya lieu très saint. C'est lui qui avait fait ce rachat là parce que dans Matthieu chapitre 27 il est écrit que quand il est mort les rideaux étaient déchirés du haut vers le bas. À partir du verset 50 na 52. À partir du verset 50e jusqu'au verset 52e. Les autres savent comment il cria très fort. La Bible montre qu'il cria très fort. Quand il était à la croix. Et les rideaux du temple étaient katani. Et même les rideaux du temple furent déchirés. Cela veut dire qu'il fongola qui chemin y a lieu très saint. C'est-à-dire le rideau avait ouvert un chemin pour le lieu très saint. Et le bénémoine se fongola chemin y a jardin d'Eden. En d'autres termes, le chemin du jardin d'Eden était ouvert. Et le koizala qui fermait fongwami. Ce qui était fermé, finalement, cela est ouvert. C'est ainsi qu'on nous parle ici que c'est l'agneau qui a ouvert ce chemin. Et a fongoli l'un des sept sceaux. Ah waouh. C'est très bien dans Apocalypse 5. Nous avions montré très bien dans Apocalypse chapitre 5. A fongola basso nionso. Il avait ouvert tous les sceaux. A tikata mon côté. Et n'avait laissé aucun d'entre eux. Parce que so e kangama ki pona kuzanga kotosa, c'est comme ça il faut lober la moto. Du fait que les seaux ont été fermés à cause de la désobéissance, c'est comme ça que tu dois l'expliquer à l'autre. Donc autre chose on a livré comment qui scellé pona désobéissance. Ce que nous voyons, les livres scellés à cause de la désobéissance. Ce qui va émission que ola qui sango et sa wapi. Si l'on t'est posé la question de savoir, montre-nous où cela se trouve. On peut citer quelques témoignages. Tu donneras les témoignages. On le dit que Israël a deux cités.
tu montreras que si Israël n'obéissait pas, Deutéronome 28, verset 23, et le Miki Akokanga, Likolo, Pakokanga, Mabele. Deutéronome 28, le verset 23e, il est écrit que Dieu fermera les ciels, même la terre. Et na Josué 18. La terre comme étant un livre. Kobanana verset 7, 10 à 9. À partir même du verset 7e jusqu'au verset 9e. Josué aussi, Esaïe 34, verset 4. Quand tu prends aussi Esaïe chapitre 34 au verset 4e, à l'obéli, le ciel c'est un livre. Il a parlé du ciel comme étant les livres. Donc, tant qu'à Kangabele et Botate, c'est que à Kangipe livre. Cela veut dire qu'il a fermé les livres. Mabele Zalakaneti et Lilingi Yanikolo. La terre est comme l'image du ciel. Et maintenant, au Tarisike, non? Et kangama kapona kozo kozanga kotosa. Après tu montreras que non, cela était fermé à cause de la désobéissance. Et likambuana zambe azalai kosala yangopo atalisa kozanga kotosi ya Adama. Et ces choses là s'est passé pour que Dieu montre la manière dont Adam avait désobéi. Ezalai kosala ke nzambe akangaki chemin ya arbre de vie na jardin d'Eden. Cela faisait en sorte que Dieu parvienne à fermer le chemin de l'arbre de vie au jardin d'Eden. Cela qui est en gros. Donc c'est les. Maintenant, Zamba Zakoluka, homme. Chercher l'homme obéissant. Ce qui monte Oyo Ayebiko obéir, Zamba Fongolaka livre. Donc s'il s'est trouvé un homme qui sache comment obéir, Dieu ouvre les livres. Et maintenant, l'homme obéissant en réalité, Tomoni Eza le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voyons que l'homme obéissant en réalité, c'est Jésus-Christ. Yende Jean-Baptiste Alobaki dans Jean chapitre 1er. C'est lui dont Jean-Baptiste avait parlé dans Jean chapitre 1er. À partir du verset 29 à 30. À partir du verset 29e jusqu'au verset 30e. Alobaki, voici l'agneau de Dieu. Il avait le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est cet agneau-là qui ouvrira les seaux. Et témoignage à obéissance naie. Et le témoignage de son obéissance. Total à Kayango na Hébreu 5. Nous le voyons en Hébreu chapitre 5. Et l'obami que il a été exaucé à cause y a piété naie na obéissance naie. Amen. Là-bas il est écrit qu'il a été exaucé à cause de son obéissance. Et au tali aussi dans Philippiens 2. Même aussi dans Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5, par conseil, bisotos à un sentiment qui était en Christ. À partir du verset 5e, là qu'on nous conseille qu'il faut très que nous puissions avoir les sentiments qui étaient en Christ. C'est lui-là qui était Dieu. Mais Amitala qui Kozalanzambe netite elokoya kuela naya. Il est Dieu. Comme une proie arrachée. Il ne s'était point regardé comme étant une proie arrachée. À soi qui l'olinge ya bon moto. Il avait pris la forme de l'homme. Aïe le cola moto. Il est venu comme l'homme. Amikitisi. Et s'est humilié. C'est ça la nature de Dieu. Amen. Et le konzamba liga trouvé na kat na biso, c'est l'humilité. Ce que Dieu aime trouver en nous, c'est l'humilité. Soko lingo loba fruit à humilité. Si tu veux parler des fruits de l'humilité, Osui Proverbe 22, verset 4. Tu prends Proverbe chapitre 22, le verset 4. Ce qui osa humble. Si tu es humble, par fruit au kozoeza na Proverbe 22, verset 4, ezali la gloire. Le fruit que tu recevras, qui se trouve dans Proverbe 22, le verset 4, il y a premièrement la gloire. La richesse. Ou encore la richesse. Et la vie. Et aussi la vie. Donc, na humilité de balonga galiwa. C'est-à-dire, c'est dans l'humilité qu'on vient la mort. Amen. Et c'est ça l'œuvre que le Seigneur a fait. C'est réellement l'œuvre que Christ a faite. Il s'était humilié pour vaincre la mort. Amen. Yango balobi ki il a obéi. C'est pourquoi on a dit qu'il a obéi. C'est toujours dans Philippiens 2. C'est toujours dans Philippiens chapitre 2. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. À la mort de la croix. Amen. Balobi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà humilité et puis gloire. Amen. C'est pourquoi il est écrit que Dieu l'a souverainement élevé. C'est ainsi que l'humilité donne la gloire. Voilà pourquoi nous avons été exhortés pour dire que nous devons nous rabaisser sous la main puissante de Dieu. C'est lui-là qui nous élèvera après cela. Cela veut dire auto-sander sa propre parole. S'humilier sous les bras
Détruire, ça veut dire obéir à sa parole. Wana tomoni simplement que c'est Dieu Jésus-Christ qui a obéi. Et là, nous voyons tout simplement que c'est Dieu Jésus-Christ qui a obéi. Ma fille, il faut ça l'effort au bandakola taka osipandoto bien. Ma fille, il faut que tu fournisses un effort de bien porter, de sorte que tu couvres tout ton corps. Si tu es une église, il faut la tâter de manière pudère, la modestie. C'est très important. Si tu viens à l'église, il faut porter d'une manière pudère et modestie. C'est très important. Protéger Toronayo, protéger Toronayo, surtout si tu es une fille, c'est très important. Et surtout si tu es une sœur, c'est très important de garder, bien ta poitrine, tes mains, tout ton corps, c'est bien. Tu auras ainsi la récompense quand tu obéis à sa parole. Car tu obéis à sa parole. Et c'est ce que nous comprenons, que c'est Dieu qui a obéi. C'est en cela que nous croyons que c'est Dieu qui a obéi. A Tosi, il a obéi. Yenda Fungoli, ciel. Donc c'est lui qui a ouvert les ciels. Il a ouvert les livres. Amen. Il a ouvert donc les livres. Yangonde, Tomanaki, j'ai regardé ici, l'agneau ouvrit. C'est ce que nous voyons là-bas que j'ai regardé l'agneau ouvrir. C'est pourquoi Moutounion soit dans la doctrine Nabango. C'est pourquoi chaque personne dans leur doctrine. Soki Baibisiyo qui est dans la doctrine Nabango, Moti Nabango na Fungola Baso, Bango Nyon Sobaza, Bakosi devant l'écriture. Si on te disait que c'est dans leur doctrine que leur prédicateur avait ouvert les sceaux, et lui. Et même leurs prédicateurs, tous ceux-là sont des menteurs. Parce que verset le dit, c'est l'agneau qui a ouvert. Car le verset dit clairement ici que c'est l'agneau qui l'a ouvert. Et il les a ouverts. Et lorsqu'il les a ouverts, j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Et bah, tu es belé, na kati le béni oyo, le colabona qui voit tonnerre, bakanisi ke ezali après enlèvement. Et la plupart des gens ont cru qu'une fois voir les termes tonnerre, ils ont pensé que c'était après l'enlèvement. Il y a un autre texte, il y a Jean 12. C'est ainsi que nous avions saisi le texte de Jean chapitre 12. Le lingue Jésus a le mec qui est Père, glorifie ton fils. Et la manière dont Christ avait dit Père, glorifie ton fils. Réponse est Otaki Likolo. La réponse était sortie du ciel. Je l'ai glorifié. Amen. Et je les glorifierai encore. Amen. Ezana Tamibale. Cela se trouve dans deux temps. Premier, je l'ai glorifié. Le premier temps, c'est je l'ai glorifié. Ça par rapport à ça, l'œuvre de la croix à Kokisi mission naye. Cela est par rapport à l'œuvre de la croix après avoir accompli son œuvre. Na pesakibino Hébreu chapitre 1 verset 6e. Je vous avais donné Hébreu chapitre 1er, verset 6e. Hébreu chapitre 1er au verset 6e. A l'obitango à Kotisi l'issousou, les premiers nés au monde. Là-bas, il est écrit quand il introduit de nouveau les premiers au monde. Cela veut dire à Kotisakaya di Bosso au monde. Cela suggère qu'il avait introduit pour la première fois dans le monde. Tango à Kotisakaya di Bosso au monde. Lorsqu'il avait introduit pour la première fois. Et ça, le lingaye nanzela ya une femme, Marie. C'était de la manière dont il était provenu par le chemin d'une femme Marie. À Botamina Bethléem, yé Jésus. Il était né à Bethléem, donc lui Jésus. Comme premier né. Comme étant le premier né. Et Tangwayewana, Hébreu lobi, Azalaki abaissé, Akitaki nasé à Bange. Et quand il est venu là, Hébreu 2 dit, il a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Ce qui va tenir au Kozala ABC un peu de temps en dessous des gens, c'est pas ange Ingolobani. Si on te posait la question, celle de savoir qu'il a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, ça veut dire quoi? Ayaki pour Koufa. Tu diras tout simplement, il était venu pour mourir. Ange Akoufa Kate. Car l'ange ne meurt pas. Il a besoin d'une position pour Akoufa. Donc il avait pris une position pour qu'il meure. C'est être abaissé au-dessous des anges. C'est être abaissé au-dessous, en dessous des anges. Cela était juste pour un peu de temps. Mais après ça, et après cela, et Singelekazala introduit de nouveau. Il devait être introduit de nouveau. Parce qu'Azala qui nous retranché dans le lingua Koufaki. Car il était retranché de la manière dont il était mort. Ensuite, introduire. De nouveau, dans l'ère à résurrection.
Ensuite, il fut introduit de nouveau lors de sa résurrection. Wana uti ko combattre comme un lion en vaincre. Et là, il provenait du combat où il était comme le lion qui a vaincu. Azo bima comme le lion des tribus qui a vaincu. Amen. Il était apparu comme le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Azo le vainqueur de la nuit. Il était le vainqueur de la nuit. Amen. Parce que dans Isaïe 21, bazako tout la sentinelle, que dit-il de la nuit? Parce que dans Isaïe 21, on posait la question à la sentinelle, que dit-il de la nuit? Na verset 12e, na 13e, il y a Isaïe 21. Au verset 12 à 13 d'Isaïe chapitre 21. Sentinelle, ezande prophète. La sentinelle, c'est le prophète. Parce que kobandanza bayako sambisa Adama. Parce que depuis que l'Éternel était venu juger Adam, il était venu le juger au soir. Pourquoi? C'était au soir. Après avoir jugé Adam, après l'avoir chassé et parti, c'était que les ténèbres, les soirs où les ténèbres du soir naturel venaient déjà. Parce qu'ils ont dit que l'homme azali voué à la mort, à profit. Car cela montrait en réalité que l'homme est voué à la mort et il est mort. C'est ça la nuit. C'est ça même la nuit. Dès Isaïe 21, Tony, sentinelle, ma prophète, Bolobini ni Pona Boutou. C'est pourquoi Isaïe 21 pose la question à la sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Maintenant, réponse est Zaragini. Quelle a été la réponse maintenant? Le matin vient. C'est le matin qui venait. Le matin, c'est Jésus-Christ qui vaincre la nuit. Amen. Le matin, là, c'est Jésus-Christ qui vint la nuit. C'est pourquoi Bima qui n'a tombé très tôt le matin. Bima n'a tombé très tôt le matin. Voilà pourquoi il était sorti du tombeau très tôt le matin. Signe le lingue qui a vaincre pour tout. Le signe de la manière qu'il a vaincu la nuit. Or, ce qu'on dit Job 10. Or, si tu prenais Job chapitre 10, à verset 20e, tiens, à verset 22e, à partir du verset 20e jusqu'au verset 22e, baso comparer la nuit, na, baso comparer la mort, na nuit. On compare la mort à la nuit. Baso comparant on a ténèbres. On compare aussi la mort aux ténèbres. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'en réalité tu dois comprendre. Donc, la mort, c'est le jour des ténèbres, c'est la nuit. La mort, c'est le jour, c'est les ténèbres, c'est la nuit. Et Yango Batuna qui dit de la nuit. C'est pourquoi on avait posé la question à la sentinelle. Qu'est-ce que tu dis de la nuit? Sentinelle a répondu à qui? La sentinelle avait répondu. Le matin vient. Que le matin venait. Wana matin, on est un matin à rédemption. Là, ce matin, là, c'est le matin qui s'agit de la rédemption. Les alliés, Yewana, le Seigneur, Tangazubi Manatumbu. Il s'agit du Seigneur, lui là qui était sorti. Du tombeau. Comme les grands lions vainqueurs. Amen. Il est le vainqueur de la nuit. Amen. A vaincre tout problème. Il a vaincu tout problème. Et Yangonde, Nakati, Nayo, faut saisir. C'est ce que tu dois saisir en toi. Que Jésus-Christ, Azamolongi, Aliwa. Que Jésus-Christ est le vainqueur de la mort. Il était à délivrer, Bisson, Nakataba, problème, Nyon. C'est celui-là qui nous a délivré de tous les problèmes. Et c'est ce que nous disons, l'enseignement.